Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est spécial 1000 abonnés. Donc merci à tous, enfin 1000 abonnés. Je suis environ à 1050, hein. Je voulais attendre un peu plus longtemps pour faire cette vidéo. Du coup, vidéo spéciale. Et oui, j'ai demandé à des abonnés de m'envoyer des vidéos pour me poser des questions, donc c'est une FAQ, et aussi s'ils ont une chaîne, bah, qui présente leur chaîne, voilà, et oui, ça y est, et du coup, bah, j'ai eu 5 vidéos, plus de 2 vidéos, mais on les voit pas, c'est un écran noir, donc on verra bien pour cette vidéo, voilà. Allez, merci à tous, en tout cas, merci pour les 1000 abonnés, ça fait un vrai plaisir. Et voilà, premier cap arrivé, ça fait longtemps que je voulais avoir mes 1000 abonnés, et ben je les ai. C'est parti, première vidéo, c'est Socrate, un youtubeur gaming GTA. Donc voilà, il va présenter sa chaîne évidemment. Donc voilà, il va me poser la question tout de suite, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Socrate, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, on est là aujourd'hui sur la vidéo de Sangaryu, qui m'a demandé de lui poser quelques questions, de parler de sa chaîne et de parler actuellement de la mienne. On va commencer par les questions. Moi j'avais une question, enfin plusieurs questions entre guillemets. Quels sont tes projets à suivre après le confinement? Où est-ce que tu vas voyager? Quelle sorte de vidéo tu vas faire? Quel vlog? Ensuite, j'aurais aimé savoir avec quel outil de montage tu fais tes vidéos, parce que je trouve ça assez sympa. Niveau gaming, est-ce que tu vas continuer sur ton autre chaîne? Donc, pas ta chaîne principale, ta chaîne secondaire. Sinon, bah voilà, après ta chaîne, je la trouve très sympa. C'est de bons montages, comme je t'ai dit, tu fais actuellement des bons montages. Bon, c'est dommage avec le confinement, on peut rien faire. D'ailleurs, j'aurais aimé savoir ce que tu fais pendant le confinement. Vu que tu peux pas faire, tu voyages pas, tu peux pas énormément faire de vlogs, pas rester chez toi, rien faire. Comme tout le monde, bah, on est confiné. Et ouais, donc sur sa chaîne, franchement, je trouve ça assez sympa, comme je dis, tous ses montages. Oui, il voyage beaucoup. Il va encore voyager, j'espère, pour voir de très bonnes vidéos de qualité, pardon. Et pour ma chaîne, bah... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Socrate. Moi, je fais principalement du gaming. Je vais faire des vidéos avec cette voix, ça, c'est bizarre. Je fais du BMX aussi, je fais des tutos BMX. Je fais du BMX mais sur la console, je joue à Pimp Street BMX, je joue à GTA, je joue un peu à Fortnite même si j'aime pas trop, j'ai un peu lâché. Je joue un peu à Call of aussi, je fais un peu de tout. Et putain, surtout cette voix là, putain, quand j'arrive sur des parties en vocal, on me dit ouais, foutez-vous pas de lui, c'est sa vraie voix et tout. Mais les gars, c'est pas ma vraie voix, normalement je parle comme ça, mais parfois je parle comme ça. Oh, c'est un peu fou. Parfois on me dit ouais, tu ressembles à Mickey, tu ressembles à Jean-Marc, avec Jeff Panetlock. Ou alors tu ressembles à un enfant, tu fais une voix de fille, putain, si... une fille qui se voit comme ça, moi je me barre en courant, personnellement. J'aurais très très peur. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis timbré comme une lettre à la poste, hein, tu sais. Le petit trame que tu mets sur une lettre pour mettre à la poste. Bah c'est moi, je suis timbré. Allez, moi je vous laisse avec tout ça. J'espère que Sanga pourra répondre à ma question. Je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aux 3 chaînes, donc les 2 chaînes de Sangario et ma chaîne de Socrate. Allez, salut! Déjà, merci Socrate pour cette vidéo. Je mettrai toutes les chaînes en description. Et pour ma collaboratrice, ça sera en fin de vidéo. Voilà, j'ai une collaboration, évidemment. J'expliquerai sur une autre vidéo, etc. Allez, c'est parti. Je réponds à tes questions. Alors, déjà, pour les vlogs, j'avais prévu déjà, si vous savez, aller aux États-Unis, mais malgré le virus, on n'a pas pu. Donc on a prévu partir en octobre, novembre. On va voir, on verra si le virus évolue ou pas. Sinon, partie monteur de montage, c'est Filmora. Filmora, c'est vraiment facile à utiliser. Donc si vous voulez que avoir des petits tutos là-dessus, je pourrais le faire. Ça dépendra de vous. Et puis niveau gaming, sur ma chaîne secondaire, j'en fais déjà. Prochaine vidéo, c'est Erdan711. Allez-y, c'est parti. Et d'abord, merci pour ta question. Superbe question, vous allez voir. Et je vais évidemment répondre. Et merci pour ta présentation. Allez, c'est parti.
Salut à Twist, salut à tous, c'est Erdan 711, je fais sur ma chaîne YouTube, je fais du xylophone, des montages, des réflexions sur la actualité, des parodies, tout ça, plein de trucs. Ma chaîne, c'est un peu le fourre-tout. J'ai une chaîne aussi qui s'appelle Erdan Gaming, où il y a du Resident Evil dernièrement. Enfin voilà. Alors, je voulais savoir quel était le nombre d'abos que tu voulais atteindre, mon ami. Et je voulais savoir aussi, alors, parce que ça pourrait peut-être t'aider, comment tu as peut-être expliqué, mais comment ça se fait que tu aies des difficultés d'élocution. Est-ce que tu pourrais améliorer ça lors de tes prochaines vidéos? Après, peut-être que tu me l'as déjà expliqué, mais je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Donc pour les abonnés, moi je vais avoir un maximum d'abonnés, comme tout le monde, hein, comme toi d'ailleurs aussi. Mais voilà quoi, mais après c'est très très dur, il faut faire de la pub tous les jours, ou faire des vidéos tous les jours. Moi je peux pas faire des vidéos tous les jours, c'est pas possible dans ma vie. Voilà. Sinon, voilà, j'ai des problèmes d'élocution parce que étant bébé, j'ai failli perdre, enfin j'ai failli être sourd et muet, voilà. C'est le gros problème, et j'ai commencé à parler, j'avais 7-8 ans, et encore à 10 ans je disais des fois train, crin au lieu de train, etc. Voilà, j'ai eu des problèmes dans ma vie à cause de ça, donc c'est pour ça que je suis parti dans des écoles spécialisées. Voilà, et du coup YouTube ça m'aide vachement à parler, etc. Par contre, pour m'améliorer, ça va être compliqué. Voilà, j'ai eu plein de commentaires à cause de ça, mais voilà, on peut pas améliorer là-dessus. Prochaine vidéo, c'est le cactus, voilà, qui fait des vidéos gaming. Et donc voilà, donc allez, c'est parti pour ta présentation et ta question. Let's go. Bonjour à tous. Alors moi c'est le cactus. Donc ce que je fais sur ma chaîne, c'est de l'actu dans les jeux vidéo. Alors il y aura deux vidéos chaque semaine, en tout cas il y en a une le mercredi et une le dimanche. En fait le dimanche je fais de l'actu de la semaine. J'avais une question pour toi Sangario, tu vas visiter quel pays dans ton prochain vlog? Donc ouais, j'ai déjà répondu à cette question, mais allez c'est parti. Donc voilà, j'ai prévu aller aux États-Unis évidemment, et pour ma première saison, et oui je vais faire par saison hein, mes vlogs. Donc voilà, la première saison ça sera aux États-Unis, et après je verrai si je pars au Japon ou au Vietnam, etc. Il faut que je trouve du monde pour venir avec moi, j'ai pas envie d'aller tout seul exactement, et voilà quoi. Sinon peut-être la deuxième saison aux États-Unis, parce qu'on veut repartir pour aller voir WrestleMania, évidemment. Voilà. Allez, prochaine vidéo, c'est Retro Game, il va se présenter. Il n'a pas de questions par contre, parce que voilà, il me dit que je suis au top. Mais regardez avant cette vidéo. Et salut les amis, salut Sangaryu, ça va mon ami? Ça va bien tranquille? Ouais, alors tu m'as demandé de faire une petite vidéo pour te poser des questions sur ta chaîne. Déjà, je voulais te dire bravo pour bientôt les 1000 abonnés, mon pote. Nickel, ça. Je te l'ai dit, le travail, t'arrives à bout à force. T'as toujours ce que tu veux. Sur ta chaîne, pour améliorer ta chaîne et tout ça, bah, qu'est-ce que j'en pense de ta chaîne? Bah, moi, je trouve qu'elle est bien, nickel. Sinon, je serais pas abonné à toi, je te parlerais pas, tu vois. Moi j'aime bien les petits voyages, découvrir des nouvelles choses, vu que moi je peux pas bouger. Donc je le découvre avec ta chaîne. Je t'encourage mon pote à arriver au bout de tes rêves. Améliorer, y a pas grand chose à améliorer. Peut-être juste comme je t'avais dit une fois, quand tu parles, évite d'y avoir des trous. Renseigne-toi et tout, je sais que tu te renseignes, mais tu sais toujours quelque chose à dire, pas rester tu vois ce que je veux dire. Autrement, la tremblote quand tu filmes, peut-être, tu t'es amélioré. Autrement, elle est bien ta chaîne. Franchement, j'ai trop rien à dire sur ta chaîne. Juste, j'espère que tu vas faire beaucoup de voyages, me ramener beaucoup de cadeaux, des souvenirs, mon pote. Tu veux que je me présente? Parce que moi, j'ai une chaîne, les amis.
Retro Game 52. Moi, parce que je suis collectionneur. Bah là, je fais plus beaucoup de vidéos parce que je me suis séparé. Du coup, je suis plus en maison. Donc, j'ai plus trop la place. Comme vous voyez, je suis en appartement maintenant. Et du coup, j'ai réduit ma collection. Maintenant, je vais me concentrer plus sur tout ce qui est horreur, poupées d'horreur. Là, j'ai pas mal de poupées Chucky, vous verrez sur mes vidéos. Poupées Chucky, Annabelle et tout ça. Je collectionne les Steelbook aussi. Steelbook, c'est les boîtes métalliques Blu-ray. Et sinon, bah moi, c'était tout ce qui est console, jeux vidéo, figurines. Vous verrez tout ça sur mes vidéos, les amis. Et voilà. Autrement, mon pote, courage à toi. J'ai pas trop de questions parce que moi, je pense que déjà, t'es au top. Il y a toujours des petits trucs à améliorer, mais pour le moment, je vois pas. Continue comme ça. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est un super gars, super gentil. Il a le cœur sur la main. Allez, mon pote. À la prochaine. Bye bye. RetroGame, merci pour ta présentation. Je mettrai aussi son lien en description. Voilà. Merci, ça fait vraiment plaisir à tous pour votre soutien. Voilà, je vais essayer de m'améliorer, mais voilà, comme j'ai dit à une question de Ardan, j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai des problèmes dans l'élocution, c'est pour ça, des fois je fais, des fois j'oublie ce que je dis, tu vois, ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai des problèmes, je dis, voilà, voilà. Allez, on va passer à la dernière vidéo, dernière présentation, dernière question. C'est parti et on va passer à ma collaboratrice. Évidemment, qu'on vient de, voilà, on vient de, d'officialiser ça. Je vais faire une vidéo là-dessus. Hein, donc, allez, c'est parti. Salut Sangairu et les abonnés de Sangairu, j'espère que vous allez bien. Ma question, c'est de savoir quel matériel, caméra ou smartphone, utilises-tu pour faire tes vidéos. Ma chaîne YouTube est Amandine Draw, Amandine D-R-A-W, Draw. Sur ma chaîne, je fais du dessin, des vlogs un peu comme toi, mais différemment. Et en ce moment, je fais des vidéos où on parle photo, donc on parle photographie, si on a que ça intéresse. Je partage mon expérience sur le sujet photo. Ta qualité, c'est que tu as l'air d'être gentille. Ta voix est agréable à écouter en vidéo et c'est très positif. On voit que tu as l'air d'être posé quand tu fais une caméra, derrière la caméra, tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde d'être posé comme ça et tout. Et on voit que c'est très à l'aise et c'est très agréable à regarder. Bravo pour tes 1K, GG à toi, bravo. On n'oublie pas de mettre le pouce bleu à sa vidéo hein, et à partager sa chaîne. Moi je vous dis à plus, bye bye tout le monde. Quelle caméra j'utilise? Donc j'utilise un truc japonais, un truc asiatique évidemment, donc c'est un truc voilà, la qualité n'est pas très très bon. C'est d'ailleurs pour ça que je recherche une caméra, une bonne caméra qui coûte au moins 300-400 euros, on va voir, même 600 euros s'il faut. Voilà, donc j'aimerais avoir une Canon peut-être. Ouais, Canon ça peut être pas mal pour faire mes vlogs, mais pour l'instant voilà, j'utilise un DVC comme caméra. Voilà, c'est une caméscope hein, c'est voilà, c'est pour débuter. Là c'est bon, là je recherche vraiment une grosse caméra, une caméra qui pourrait tenir pour mes voyages. Pas une caméra assez lourde parce que pour les voyages il faut une caméra assez léger, mais qui peut filmer peut-être en 4K. Voilà, voilà. Sinon, j'utilise aussi un son, un micro Rode qui fait affaire, qui a un bon son. Voilà, sinon j'ai un trépied, tiens, les petits trépieds pour, voilà, pour tenir, comme ça, tac. Voilà, voilà. Voilà, j'ai terminé là. Merci à tous pour m'avoir envoyé tous vos enregistrements, votre vidéo. Et merci pour votre présentation. Je mettrai en lien en description votre chaîne. Voilà, pour ma collaboratrice, je mettrai en fin de vidéo. Sinon, c'est tout. J'espère que j'ai oublié personne. Normalement, j'ai mis de côté en dossier. Votre vidéo. Donc merci à tous, merci à tous. 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, c'est le premier cap. Deuxième cap, c'est 10 000.
Ok, 10 000 c'est dans 10 ans, hein? Non, j'espère pas, mais voilà. Donc merci à tous, si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!